Il était une fois un homme qui avait une cervelle d'or. Oui, vous avez bien entendu, une cervelle tout en or. La chose fut tenue secrète. Durant toute son enfance, le pauvre petit lui-même ne se douta de rien. À 18 ans seulement, ses parents lui révélèrent le don monstrueux qu'il tenait du destin. Et comme ils l'avaient élevé et nourri jusque-là, ils lui demandèrent en retour un peu de son or. L'enfant n'hésita pas. Puis, tout ébloui des richesses qu'il portait dans la tête, fou de désir, ivre de puissance, il quitta la maison paternelle et s'en alla de par le monde en gaspillant son trésor. Un jour enfin, le malheureux s'épouvanta de l'énorme brèche qu'il avait déjà fait à son lingot. Il était temps de s'arrêter. Quelque temps de là, l'homme à la cervelle d'or devint amoureux. Et cette fois, tout fut fini. Des fois, cependant, la peur le prenait. Il avait des envies d'être avare. Mais alors, la petite femme venait vers lui en sautillant et lui disait « Oh, mon mari, vous êtes si riche. Achetez-moi quelque chose de bien cher. » Et il lui achetait quelque chose de bien cher. Cela dura ainsi pendant 2 ans. Puis, un matin, la petite femme mourut, sans que l'on sût pourquoi, comme un oiseau. Le trésor touchait à sa fin. Telle est la légende de l'homme à la cervelle d'or. Malgré ses airs de conte fantastique, cette légende est vraie d'un bout à l'autre. Il y a, de par le monde,
de pauvres gens qui sont condamnés à vivre de leur cerveau et payent en belle leur faim, avec leur moelle et leur substance, les moindres choses de la vie. C'est pour eux une douleur de chaque jour. Et puis, quand ils sont là,